Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va au top puisque aujourd'hui c'est un peu Noël. J'ai reçu un énorme colis de la part de la marque Harry Styles. Donc on va découvrir ensemble 10 produits Harry Potter, donc c'est parti. Le premier objet, eh bien il s'agit de ce petit coussin de la plateforme 9¾. Donc il reprend le logo avec écrit plateforme. Et derrière nous avons plein de H pour reprendre le H de Hogwarts. J'ai choisi ce petit coussin parce que dans mon décor, enfin dans ma pièce Harry Potter, j'ai un mur en briques rouges. Voilà, ça fait à la fois entrée, chemin de traverse et aussi plateforme 9¾. Et donc sur une de mes chaises, je vais le poser. Donc voilà, je suis très contente. J'adore les coussins de chez Harry Styles. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier unboxing, j'avais eu celui-ci. Donc c'est le Choixpeau qui est réparti dans les maisons. Donc attention. Voilà, c'est parfait. Je vous ai pas dit, mais j'ai un peu triché puisqu'il y a un objet dont je me suis déjà beaucoup servi. Il s'agit de ce sac à dos, puisqu'en fait j'ai reçu ce colis il y a un petit moment. D'ailleurs, merci à Harry Styles pour leur indulgence. Donc ce petit sac à dos, il est venu avec moi en voyage à Londres. Parce que vous savez, quand on voyage avec des compagnies low cost, il faut un petit bagage. Et du coup, j'avais choisi ce sac-là parce que il est super pratique. En fait, il contient énormément de litres. Je sais plus combien, je le mettrai ici. Donc on va d'abord commencer par le design. Donc ils en ont plusieurs, ils ont celui de la plateforme 9¾. Moi j'ai choisi celui-ci avec le logo Poudlard, avec deux baguettes, c'est les baguettes d'Harry qui le traversent. Dessous nous avons le logo Hogwarts Alumni. Voilà, donc il est assez sobre, il est noir. Et donc du coup devant on a deux petites pochettes, pratique pour les papiers. Et ensuite à l'intérieur nous avons deux poches, donc une énorme poche. Et une poche derrière qui peut servir justement pour mettre un ordinateur, ce qui va vous faire une très bonne transition pour l'objet suivant, qui est une pochette d'ordinateur. Elle est magnifique. Waouh, j'aime trop. Donc c'est une pochette bleue. Donc nous avons d'abord ici le Poudlard. Oh, j'adore. Franchement, gros coup de cœur pour cet objet. Donc ici on a une petite étiquette avec écrit Poudlard. Et derrière, on a les quatre maisons en cercle. Avec de nouveau le logo Poudlard. Waouh, elle est de super bonne qualité en plus. Ouais, trop bien. Il y a du rembourrage et tout. Ouais, gros coup de cœur. J'ai ma petite panoplie, j'ai mon sac à dos et ma pochette pour voyager. On continue avec les affaires de voyage. Puisque là, c'est une trousse de toilette. Promis, après j'arrête, ça sera plus des pochettes. Encore une fois, Poudlard avec le logo dessus. Moi je vais pas m'en servir en tant que trousse de toilette, mais plutôt justement en tant que trousse de caméra, de câble, etc. En plus il y a trois pochettes, donc une derrière et puis deux grandes. On retourne dans le côté ludique, regardez-moi ça. J'ai un puzzle de 1000 pièces avec Poudlard. Il est incroyable, donc les dimensions c'est 50 par 70. Moi je suis très lente en puzzle, mais voilà, va falloir que je m'y attaque et pourquoi pas acheter un cadre et le mettre dans ma pièce Harry Potter. Alors ensuite, j'ai choisi ces petites chaussettes qu'on va découvrir ensemble. Hop, j'ai un peu cassé la boîte. Donc c'est des chaussettes avec écrit Dobby n'a pas de maître. Ah, trop bien, il y a même le logo de Dobby en bas. Attendez, faut que je passe ma main dedans. Hop, ah oui, regardez, on a Dobby, elles sont grandes hein, et donc avec écrit Dobby est un elfe libre et Dobby n'a pas de maître. Donc voilà, je les trouvais très fun ces chaussettes, donc ça va attendre cet hiver. En parlant d'hiver, ils ont sorti plein de tasses trop belles sur le thème de Noël et pas que, d'ailleurs il y a même une magnifique théière. Waouh, ce mug il est trop beau. Donc on va pouvoir se faire nos meilleurs cafés dedans. Je suis plus café que chocolat moi. Le mug il est vraiment trop beau, regardez. Il y a plein de détails, donc on a un gris avec écrit ici Poudlard. Des petits cadeaux, il y a vraiment plein de dessins. Et derrière c'est écrit je préfère rester à Poudlard ce Noël. Ah, j'ai menti, j'avais oublié. Mais j'ai bien une autre pochette. Alors cette fois-ci c'est une pochette avec les lunettes de Luna. Alors attention au bruit, désolée. Vous avez épargné jusque là. Elle est trop belle. Donc c'est une pochette avec les lorgnons spectres de Luna. Je sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, mais récemment j'ai fait dédicacer les lorgnons spectres par Evana. Donc je suis en mood lorgnons spectres en ce moment.
Bon, ouais, du coup, nous avons encore une petite pochette. Ensuite, ça, c'est un objet que j'avais déjà eu. Ce sont des cartes postales. Donc, il y en a 5 au total. Hop. Donc, nous avons tout d'abord une carte postale de Poudlard. Il y a pas mal de Poudlard qui revient dans cette vidéo. Et après, on a les cartes postales des 4 maisons. Je vous en montre une en détail. Voici celle de Gryffondor. J'aime bien en avoir d'avance. Ça me permet, du coup, quand par exemple, je fais un concours ou encore un swap, ben voilà, d'écrire des petites cartes. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'arrière. À l'arrière, on a la baguette d'Harry avec également Poudlard. On passe au dernier objet. Et pour moi, c'est clairement un gros coup de cœur. Donc, il s'agit de deux verres, celui de Gryffondor et Serpentard. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont faire le verre Poussoufle et Serre d'Aigle. Donc, ce sont des verres à eau, verres à bois. Donc, je vais les tester. Là, je vais mettre un petit sirop de menthe dans le verre Serpentard et je vais trouver quelque chose qui fait Gryffondor. Peut-être du jus d'orange. Vous allez voir ça au montage. Mille merci à Abistyle pour tous ces cadeaux, c'est vraiment super sympa de leur part. Je vous mets dans la description du coup tous les objets que j'ai eu avec tous les liens. D'ailleurs dites-moi quel objet vous avez préféré dans les commentaires. Pour nous en tout cas, eh bien, vous avez vu, on a deux vidéos en une semaine, c'est un miracle. Donc a priori on se retrouve très bientôt aussi pour une autre nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.